Moi, je suis un homme intègre congolais qui défendra ce pays jusqu'à ma mort. Mais que les gens comme ça commencent à raconter des histoires, comme à la télévision ici, qui a dit que dans mon coffre, on a trouvé des armes que je vois trimballer ici. Moi, ce n'est pas cela. J'ai dit. Donc, 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwangachuchu Edouard. 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwangachuchu Umubera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwangachuchu Uingabire Animari, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Président, avec l'évolution, on pourra avoir certains autres éléments. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de les déposer devant la Cour. Nous avons dit. Une boîte quartier rouge contenant 2 kilos Montblanc et des bijoux pour dames. Une boîte couleur verte Rolex vide. Une enveloppe kaki contenant 22 650 $ américains. 3 boutons de boutons manchettes et plus une boîte de bagues avec mention MH contenue dans un petit sac bleu. Une ampoule, c'est écrit de marque Zenon pour véhicule. Une ampoule, s'il vous plaît. Une ampoule, vous suivez? Une ampoule Zenon pour véhicule. Une boîte contenant une épingle et médaille. Un étui contenant des lunettes anti-soleil de couleur noire. Une pochette contenant un emballage d'un bijou en argent. Zales, un étui contenant 2 photos passeport de la dame Umubera Mwangachuchu, 3 clés de contact pour Mercedes, 2 télécommandes automobiles et une clé de contact pour Toyota, une carte carte grise de véhicule, 2 petites clés de marque Lithium, un bordereau Equity Bank, 2 piles batterie pour télécommande, une boîte de liquide et un chéquier Equity Bank. Confirmez-vous avoir reçu tous les effets, s'il vous plaît. Oui, monsieur l'avocat qui était là. Oui, monsieur le président, nous confirmons que ces éléments sont une courte forme de l'avoir reçu. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwangachuchu Izi, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que les services de renseignement a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu les problèmes de M23 d'Alexandre. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné mon siège tout seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écris comme ça, on voulait prendre. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. C'est tardé, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique,
faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. La maison, une deuxième couche. Et j'ai dit à mon diable que le coffre s'ouvrait seulement par deux clés, qu'on n'avait jamais utilisé les deux de côté. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé. Ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer de la clé. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont arrivé les pauvres, ils voulaient les voir. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril. Les faits pour lesquels les députés nationaux Mwanga Chouchou, Izzy, Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali-Roi sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt avant dire droit qu'elle a rendu. Vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Ituri et dans celle du Nord Kivu, dix endroits, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou Izzy Edouard, recevable mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant dire droit, prononcé par la haute cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Dix ans droit, commet l'auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sous la. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Il a été cité comme non apparent le jour de la manifestation des chrétiens catholiques, dimanche 25. Il a été cité comme non apparent le jour de la manifestation des chrétiens catholiques, dimanche 25 février 2018, à la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Lemba, manifestation au cours de laquelle Rossi Mukendi Chimanga avait trouvé la mort. Le sous-commissaire Alexis Mukenge wa Mukenge, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déposé jeudi 16 mars 2023 à charge des prévenus commissaires supérieurs Lokeso Koso Karine et brigadier en chef Tokis Kumbu Gérard. Devant la haute cour militaire, les renseignants Mukenge Alexis a soutenu que le colonel Karine Lokeso, major à l'époque, avait intimé l'ordre à ses éléments en déclarant à l'assaut après que les manifestants se montrent hostiles à son endroit et qu'à la descente de tous les policiers de la Jeep Escadron Mobile d'Intervention, les policiers Tokis avaient tiré à bout portant sur Rossi Mukendi, a-t-il ajouté. J'avais fait remarquer au colonel Karine que son ordre donné a occasionné la mort des manifestants. Une version des faits que les deux accusés ont qualifié de mensonge. La grande partie de la déposition du sous-commissaire Mukenge est fondée sur les mensonges. La poursuite de l'instruction de la dite cause est renvoyée à vendredi 23 mars.
Au cours de cette audience, la haute cour militaire, dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Ekofo Martin, va procéder à l'exploitation du rapport médical et à l'examen balistique.